Déclaration des députés, la députée de Nepean Carlton. Merci, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup d'humilité que je m'adresse à cette Chambre ici aujourd'hui pour notre première journée de retour. C'est aussi la première journée de retour depuis que j'ai terminé ma course à la chefferie de notre parti. Et le résultat étant que je voudrais remercier différentes personnes à travers la province qui ont enrichi ma vie et qui m'ont donné une excellente expérience. Et je voudrais remercier différentes personnes. Un groupe qui s'appelle Les Mamans pour Lisa, qui m'ont appuyé, entre autres, pour ma stratégie sur les gardes d'enfants. J'ai voyagé à Windsor, jusqu'à Cornwall, sur la 401. J'ai été à Sudbury, Thunder Bay et partout entre les deux points. Et j'ai été à Sudbury. C'est incroyable de voir cette incroyable ville ainsi que le reste de notre province. J'apprécie l'appui de tous les membres de cette assemblée. Je veux donc remercier tous les députés ainsi que les députés de mon groupe parlementaire et le reste des députés qui sont à la course de la chefferie. J'ai reçu beaucoup d'appui, entre autres pour le sous-leader parlementaire. J'ai même reçu de l'appui de mon ancien ennemi juré, Dalton McGuinty. Je veux vous dire à quel point je suis fière en tant que députée de prendre la parole ici dans cette assemblée pour la quatrième fois au cours de ma carrière. Et je voudrais compléter ce mandat pour d'ici 2018 et donc à travers vous, aux membres de l'Assemblée et en particulier aux députés de mon parti, je voudrais vous remercier. Merci. Déclaration de député, le député de Timmins-Lamy-James. Je suis si heureux que vous restiez. Venez me donner un câlin. Je veux soulever l'attention de cette Chambre, la situation en ce qui concerne l'hôpital d'Attawa-Piscate. Et je veux vous dire que, comme vous le savez, juste avant le nouvel an, il y a eu un épandement de diesel et nous voulons empêcher le tout de se produire. Et malheureusement, l'impossible s'est produit. C'est-à-dire que le diesel a été imbibé par la terre. L'hôpital est pratiquement neuf, il a 28 ans, et c'est la seule institution qui se trouve dans cette région. Les gens travaillent durement et le personnel essaie de renverser la vapeur, de changer cette situation mauvaise en une bonne situation. Beaucoup de gens là-bas n'ont pas de maison. Ils doivent envahir d'autres organismes. Et vous savez quoi? Le chef là-bas a bien appuyé la population. Nous travaillons sur un plan afin d'essayer de nettoyer ces installations ainsi que l'espace souterrain qui s'y trouve. J'ai eu une discussion avec le ministre auparavant et nous voulons essayer de trouver une façon d'aller de l'avant afin de se débarrasser un peu du problème bureaucratique auquel nous faisons face pour régler le problème, afin de pouvoir obtenir l'argent et d'avoir les matériaux en place, entre autres au cours de cette saison hivernale, parce que si on ne réagit pas maintenant, il faut attendre à l'an prochain. Et nous parlons ici d'un hôpital important qui ne pourrait être utilisé pour 12 mois. Donc, c'est important d'agir maintenant. Et je veux donc remercier tout le monde, le personnel, la communauté qui travaille très fort pour régler le problème. Je veux aussi remercier le ministre. Merci. Député d'Etobicoke Centre. Merci, Monsieur le Président. Samedi, mon collègue d'Etobicoke, Nershaw Peter Melchin, ainsi que moi-même, nous tiendrons la foire de services communautaires. C'est une foire qui est annuelle et qui permet aux communautés à travers la région d'apprendre sur les services qui sont fournis par le gouvernement provincial, mais aussi par les organismes à but non lucratif qui sont respectés au sein de notre collectivité. Ces organismes offrent différents services, des services qui ne sont pas nécessairement bien connus des Ontariens et donc parfois ils ne sont pas utilisés à leur pleine capacité par ceux qui en auraient besoin. Donc les services sont importants, il faut encourager les gens de notre communauté et de nos collectivités à se rendre dans les organismes pour qu'ils apprennent quels services ils peuvent utiliser. Allez donc à cette foire pour vous informer, pour connecter avec les différentes organisations. Je suis très fière de cet événement parce que ça amène 110 000 exposants du gouvernement, de différents organismes, et ça permet de parler de face à face avec les dirigeants de ces organismes et donc d'avoir des réponses immédiatement. Ce sont des connexions qui sont essentielles
pour la population à chaque année. Il y a environ 3 000 personnes qui se rendent à cette foire pour apprendre sur les services qui leur sont disponibles. Et ce sera donc un événement qui se tiendra samedi prochain de 11h à 15h. Merci. Député de Stormont Dundas, Glengarry. Merci, Monsieur le Président. À mi-janvier, nous avons reçu un appel 911 d'une personne âgée qui n'aimait pas la nourriture qu'elle recevait dans sa maison de soins de longue durée. Nous avons donc demandé au service policier d'enquêter et les enquêteurs ont découvert une situation difficile. Il semble qu'un couple âgé et le mari essayait de s'occuper de sa femme qui souffre de démence avancée. C'est un couple qui fait face à beaucoup de difficultés financières et ils ont donc de la difficulté à avoir de la nourriture sur la table et ça lui a pris. Il a travaillé depuis acharné afin d'amener de la nourriture sur la table et ce pendant 54 ans. Et cette journée, il n'a pas été en mesure de répondre aux besoins de sa femme. Il y a eu beaucoup de mouvements et de discussions autour de cet appel au 911, ce qui a fait en sorte que les gens ont levé des fonds et lui ont permis à cette famille d'acheter plus de 100 $ en épicerie. Ça montre une belle histoire des gens qui se réunissent pour s'appuyer au sein d'une même collectivité. Je veux remercier les différents services qui ont agi afin d'aider ce couple en besoin dans ma circonscription. Et c'est bien de voir que les gens sont capables de faire encore un peu plus pour aider les gens qui en ont besoin. Merci. La députée de London Fanshawe. Monsieur le Président, aujourd'hui, je voudrais exprimer mes inquiétudes sur l'état des soins de santé mentale dans ma région de London. Au cours des dernières semaines, j'ai rencontré des experts dans ce domaine qui sont affectés par les problèmes de santé mentale au sein de leur collectivité. Nous faisons face maintenant à une crise de la santé mentale à London. L'an dernier, Mme Sattler ainsi que moi-même, nous avons parlé en parlant des retards de traitement pour les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. J'ai vu différents articles au cours des dernières semaines qui montrent qu'il y a des problèmes à l'hôpital de London et c'est soulevé à notre collectivité qu'il y a un surplus de population dans nos hôpitaux et ça cause des problèmes pour les patients ainsi que pour les travailleurs du secteur hospitalier. Nous parlons ici de patients qui vivent dans notre collectivité à London. Nous avons vu la mort d'un homme qui vivait dans une maison de soins qui n'était pas réglementée et qui s'occupait des troubles mentaux. Les gens souffrent, Monsieur le Président, et les gens meurent. Nous avons besoin d'une solution, nous en avons besoin maintenant. Ce gouvernement doit agir immédiatement et de façon claire, et ce, sans plus de délai. Merci. Merci. Suite des déclarations de députés. Député d'Ottawa Sud, merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, la troisième semaine en février, c'est la semaine de la bonté en Ontario. Et vous le savez, nous en avons parlé en période des questions et donc tout le monde est au courant. Je voudrais reconnaître la semaine de la bonté à Ottawa cette semaine. Nous demandons à notre collectivité de faire des actes de bonté à l'intérieur de notre collectivité et ça se fait sous la tutelle du rabbi Bouka, qui dirige cette semaine de la bonté à Ottawa et qui essaie d'améliorer la vie dans notre circonscription. Il a aussi agi afin de nous aider à adopter cette semaine ici au sein de l'Assemblée. Je veux reconnaître mon collègue Monsieur Nagvi, député Jones et député Gélina pour avoir parlé aujourd'hui. Je veux remercier Jackie Choquette qui a cuisiné ses biscuits. Faire des actes de bonté pour vos amis, votre famille et vos collègues et de prendre le temps de remarquer ceux des autres. Now, Kindness Week reminds us that la semaine de la bonté nous rappelle que nous avons l'occasion de créer une communauté dans laquelle nous voulons vivre. Et donc, j'encourage tout le monde à voir les différentes occasions d'être bon envers les autres et saisissez cette occasion cette semaine. C'est important. Merci.
député de Kitchener-Conestoga. Merci. Aujourd'hui, il y a une annonce du ministre du Travail pour avoir des consultations concernant les lois sur les mesures de travail qui évaluera les monopoles d'appels d'offres. Et on parle ici de mondialisation et de commerce. Il y a des tendances qui doivent être examinées. Nous devons nous assurer que les résultats seront équitables pour les gens qui veulent obtenir les contrats d'infrastructure dans leur circonscription. Étant donné que la révision doit appuyer le plan économique du gouvernement en 4 phases, je crois qu'il est important que le gouvernement s'assure que ces projets soient attribués de façon équitable afin que nous ayons une infrastructure qui est bien construite et ce, au coût les plus bas. Il y a eu des impacts dans ma circonscription de ces contrats et à travers la province et ça amène une diminution de la concurrence. Nous dépensons jusqu'à 283 millions de dollars à chaque année en surplus de coûts pour les projets d'infrastructure. Il faut donc se débarrasser de cet échappatoire législatif qui permet aux gens de faire cela. Et aujourd'hui, je livre une lettre en main propre au ministre pour l'inviter à Waterloo afin de consulter les entrepreneurs locaux ainsi que les travailleurs de la construction et qu'il utilise l'occasion pour ouvrir la concurrence et l'accès à notre processus d'appel d'offres. Le député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Le 21 février, dans la circonscription multiculturelle de Beaches East York, je vais participer de façon enthousiaste à la cérémonie de célébration de la langue maternelle. C'est quelque chose qui a été lancé par l'UNESCO en 1999. En 2009, cette Chambre a adopté une motion de façon unanime qui a été présentée par mon collègue de Richmond Hill pour avoir la journée de la langue maternelle. Ça a été célébré, entre autres, en Inde, au Dhaka, où les différents étudiants ont célébré leur langue maternelle et le fait qu'ils pouvaient obtenir une éducation dans leur langue maternelle. À chaque année, le 21 février, nous sensibilisons les gens sur le bilinguisme ainsi que les différentes langues qui sont parlées. Samedi, nous nous rassemblons donc pour reconnaître cette journée spéciale et je vais porter mon Punjabi rouge et je serai aux côtés de Azim Diwan qui a lancé cette journée et organisé cette journée dans ma circonscription. Et donc, je vous encourage à vous joindre à moi afin de célébrer cette journée et à célébrer la Journée internationale de la langue maternelle. Député de Northumberland, County West. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir d'accueillir encore une fois Adrienne Cumberley-Quinn de Curly Sempress ainsi que leurs invités de ma circonscription de Northumberland, County West. Les Quinns étaient ici en novembre dernier où ils ont reçu la récompense, le prix de la Première ministre pour l'innovation. En 2009, ils ont changé 10 acres de leur terre pour cultiver le chou frisé. Aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs veulent avoir de bonnes collations santé. Et c'est pourquoi cette famille a été reconnue pour leur innovation. Ils ont fait des croustilles de choux frisés et elles sont délicieuses, Monsieur le Président. Ils ont beaucoup d'idées et ils aident le secteur agricole à créer de l'emploi en même temps. Nous sommes heureux de les avoir ici encore une fois, qu'ils nous visitent et nous sommes très excités du fait qu'ils ont amené des croustilles de choux frisés à tous les députés de cette Chambre. Encore une fois, félicitations, vous méritez grandement ce prix. Re-bienvenue à Queen's Park. Merci à tous les députés pour leur déclaration. Je veux